Salut à tous les amis, c'est Barsetti, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça, tu connais d'ailleurs. N'hésite pas à t'abonner, à mettre le pouce bleu si c'est pas encore fait, parce que oui, il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos mais qui sont toujours pas abonnées, donc je sais pas ce que t'attends toi pour t'abonner. Allez, on passe l'intro, c'est parti. Du coup, les frérots, on commence par une très mauvaise nouvelle, car comme vous pouvez le voir sur votre écran, Ousmane Dembélé devrait quitter le FC Barcelone. Franchement, je l'apprends en même temps que vous, je suis vraiment choqué. Je m'attendais tellement pas à ça, et en plus, c'est pour aller au PSG. Alors, on sait très bien que les joueurs, généralement, qui vont au PSG ne réussissent pas trop. Hein. On a l'exemple de Messi, Neymar, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma. Voilà, il y en a énormément d'exemples, et je suis quand même assez déçu, puisque en vue de ce qu'il fait actuellement avec le FC Barcelone, je pensais qu'il allait prolonger. Après, peut-être qu'il faut la prendre avec des pincettes, mais en tout cas, affaire à suivre. Forcément, avec cette annonce choc concernant l'avenir d'Ousmane Dembélé, le Barça serait sur une nouvelle cible en cas tout simplement de départ hein, d'Ousmane Dembélé. Le Barça serait sur Rafinha, l'ancien joueur du Stade Rennais, évoluant actuellement à Leeds pour tout simplement 35 millions d'euros. Il y a eu un accord avec le Barça et le joueur maintenant manque juste au club du Barça de faire l'offre à Leeds United. Décidément, dans cette vidéo, on est gâté, car c'est officiel, Franck Caissier au FC Barcelone, la première recrue estivale du Barça. Alors moi, honnêtement, j'étais pas pour l'arrivée de Franck Caissier, vous n'hésitez pas à me dire, mais honnêtement, je trouve qu'au milieu, on a trop de joueurs, mais en tout cas, c'est officiel pour Franck Caissier. Et voilà les amis, c'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. J'espère aussi également que ça vous a appris quelques petites choses sur l'actualité du Barça. En tout cas, merci de regarder cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, nouveau live. Ciao, ciao.